Oui, alors je sais bien, je vous ai menti, je vous avais dit des vidéos en direct du festival à Angoulême, etc. Et puis en fait, on a été tellement pris par le temps au stand Hit Comics, Univers Comics que nous avions, que résultat, on n'a pas eu la moindre minute de libre et impossible de faire ce qui était souhaité au départ. Du coup, on va proposer plusieurs vidéos cette semaine pour rattraper le temps perdu. On va commencer avec Hit From Space, signé Fabiano Ambu. Alors, c'est une des autoproductions de Hit Comics France, nouvelle maison d'édition, qui est en fait la branche française de Hit Comics, qui est une petite structure installée en Italie à Milan et qui est ces dernières années en Italie un franc succès en termes de BD indépendante. Et là, alors, ce que vous avez là, c'est un dessin personnel, hein. C'est un sketch qui a été fait à l'une des personnes qui ont acheté l'album, qui va bientôt le recevoir parce qu'on va lui apporter. Hit From Space, en réalité, donc ça a été la meilleure vente de Hit Comics durant le festival, à tel point d'ailleurs qu'il n'y en a plus. Alors l'album que je vous présente, il est épuisé, c'est-à-dire qu'on n'a plus un seul exemplaire à vous proposer, mais je vous en parle parce qu'un second tirage sera fait en mai ou en juin, et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas en commentaire à laisser vos coordonnées et je vous contacterai pour l'obtenir. Alors c'est quoi Hit From Space? Outre une couverture géniale, hein, vous voyez, effet chromé en relief, les couleurs sont absolument dingues, et tout l'intérieur est comme ça, hein, c'est vraiment très très beau. Alors c'est l'histoire de Hit, donc un extraterrestre, vous l'avez vu, hein, qui a un aspect pas très engageant, pas très rassurant. C'est en fait la même histoire que Superman. Il débarque sur notre planète en provenance d'un monde qui n'est plus, et il va grandir au milieu des terriens et va être rejeté, va être haï par beaucoup de monde. Alors non pas parce que son apparence est peu engageante, c'est le moins qu'on puisse dire, mais parce qu'il va grandir au milieu d'une famille de Rome, et ce sera l'occasion pour beaucoup de s'en prendre à lui. Vous savez comment ça se passe, hein, xénophobie, racisme, peur de l'autre. Bref, Hit est différent, mais pas parce qu'il vient d'une autre planète et qu'il a un scaphandre sur la tête avec un œil unique qui a de quoi faire peur à beaucoup de monde, mais parce que tout simplement c'est un garçon qui grandit dans un campement en Rome. Et bref, c'est une BD qui mêle science-fiction, humour, discours social, action, aventure, vous avez de tout dans Hit From Space. C'est vraiment très solide. Alors évidemment, on pourrait m'accuser de ne pas être très objectif en parlant d'une BD qu'on a traduite et supervisée pour la France, mais enfin quand même, peu importe, le fait est que c'est vraiment très chouette, avec notamment quelques petites guest stars qui apparaissent. Bref, un premier tome vraiment, vraiment, vraiment très chouette, qui a fait un petit carton au Festival d'Angoulême, je répète, on n'en a plus. Ça a été vraiment. Ça a été au-delà de nos espoirs, parce que on s'attendait tout de même à en vendre un certain nombre d'exemplaires, mais là on a épuisé le tirage. Et donc c'est un très très bel ouvrage, entièrement dessiné, colorisé par Fabiano Ambu, proposé donc chez Hit Comics France. Le prix est de 17 euros, mais je vous répète, c'est un grand format, couverture patinée, titre chromé, c'est du très bel ouvrage. C'est un premier tome, alors après, vu le succès que cet album a obtenu, il est clair que le second va suivre. Et en plus, il se termine sur un cliffhanger, après une cinquantaine de pages haletantes, et vous en saurez plus, et évidemment, dans le second volume. Alors, c'est une édition, je répète, limitée, avec couverture spéciale pour l'événement. On a refait cette couverture au second tirage parce qu'elle a énormément plu, elle est vraiment super chouette. Et donc du coup, elle sera à nouveau disponible. Vous aurez à nouveau un second tirage. Il n'y aura pas vraiment beaucoup d'exemplaires, mais on va en refaire pour ceux qui n'ont pas pu obtenir cet album. Je répète, si Hit From Space vous intéresse, si ce genre d'histoire vous semble pertinente, intéressante, fascinante, vous n'hésitez pas. En plus, c'est superbement bien dessiné. Il suffira en commentaire de me mettre votre adresse mail, par exemple, ou bien un moyen de vous joindre, et puis je vous contacterai très très prochainement. Voilà. Et ah oui, sachez que évidemment, les exemplaires qu'on livre sont toujours livrés avec un sketch dédicacé de l'artiste en première page. Donc, vous aurez en plus un exemplaire sketché et donc unique. Sur ce, à demain pour la suite. Cette semaine, beaucoup beaucoup de vidéos à vous montrer. Ciao ciao.